Cavalier, le feu de la montagne coule à nouveau. Oui, grâce à moi. Et à Karn. Karn ? Junior ? J'ai du mal à le croire. Et pourtant, la forge est sauvée. Tu connais la suite, cavalier. Tu dois encore restaurer les larmes. Je ne suis pas votre domestique. Je sais, mais nos destins sont liés. Aide-nous, et nous t'aiderons. En attendant, prends ça. Ça pourrait te servir. Je connais cette arme. Elle appartient à mon frère Strife. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je l'ignore. Mais j'ai d'autres articles en réserve si ça t'intéresse. Restaure les larmes, puis reviens me voir. Donc, si j'ai bien compris. Exact. Le feu ne suffit donc pas. Non. Il nous faut les deux. Regarde bien. On a du nouveau. Bonne chance. Nous avons tenté de sceller la corruption, mais ce fut peine perdue. Que peux-tu me dire sur les larmes de la montagne? Le bastion est juste au-delà de cette barrière. La corruption l'a emporté en premier. Nous avons scellé les larmes du patriarche à l'intérieur, pour les empêcher de se répandre. Alia m'a demandé de les libérer. Ouais, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Quel que soit leur état, les larmes nous font... Je sens là... Une poignée de chanceux a réussi à s'enfuir à temps, comme Ultain. Et qui ? Juste un autre fondateur. Mais il a un énorme marteau. Quand il a fui, j'ai pas osé le suivre. Et j'ai bien fait. Et pourquoi ça ? Parce que sans ma ruse et mon courage, tu n'aurais jamais trouvé le chaudron. Thank you.
Cheval ne passera pas. Thank you.
Huh?